Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Slaphone. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Je suis à Moonsafe, je pense que vous l'avez remarqué. Donc on va s'asseoir et je vais vous raconter ce qu'on va faire dans cette vidéo. La dernière fois je vous avais promis de faire... Pourquoi j'ai appuyé sur option? Je ne sais pas. Je vous avais promis donc de faire une mission spéciale qui est donc Mauvais Présage, la quête d'histoire. Et bon, comme vous voyez juste avant, j'ai des missions quotidiennes. Pénétrer en profondeur. Attends, je l'ai jamais eu celle-là. Escalade dangereuse. Pff, en fait, on l'a à chaque fois celle-là. Rond explosif et l'expérience fait le maître. Voilà. Ah oui, si vous ne saviez pas qu'on pouvait s'asseoir dans les mains de la statue, bah maintenant vous le savez. Et honnêtement, on a la meilleure vue. Je pense qu'on a la meilleure vue de tout le jeu dans les mains. Vraiment, c'est magnifique. Bon, sinon, qu'est-ce que... Oh putain. Je ne sens pas que j'ai failli mourir là. Ça se passe juste ici. On y va. Déjà, je vois qu'il y a un groupe de 3 Brutocollinus. Niveau 30, alors on ne va pas s'approcher. Attends. Ils m'ont pas vu? Ça m'a même pas vu. Détruisez les 2 tours. Ok. Ouais, voilà. On voit les 2 tours là qu'il faut détruire. Et eux, ils sont niveau 33. De toute façon, j'ai pas le choix. De toute façon, mon personnage Ningguang est niveau 40. De toute façon, j'ai pas trop le choix en fait. Hop là. Ah. Meurs avant que tu me lances un truc. Ok. Oh non, mais il est tombé, wesh. Il est vraiment nul. Allez. C'est bon. Merci Barbara. Bon, maintenant que j'ai fait ça. Parce que bah du coup c'était... Le but de la maison c'était pas de vaincre les monstres en fait, c'était juste de détruire ces 2 tours. Attends, Ningguang les détruit beaucoup plus vite hein. Hein? Quoi? Quoi? Attends, depuis quand il y a des renforts? Wesh, j'étais pas prête moi. Oui, alors... Bonjour monsieur. Alors... Si on pouvait s'entendre... D'accord, ok. Toi... Et ça serait trop bien s'il y aurait un système genre on pourrait parler avec les Brutocollinus. Et bon, ils ont pas l'air très coopératifs. Ah yes, le bouclier. Mission terminée. J'ai détruit une tour pendant que je battais le bruto viandu. Bon, c'est quoi ce petit truc là? C'est niveau 30, genre ça fait pas beaucoup de mal, mais ça a plein de vie. Oh, wesh. Attends, wesh. Attends. Ça vient d'où ça? Bah voilà. On va aller là. Alors. Ah, on voit l'auberge Wang Shu là-bas. Celle dont on a réparé les escaliers. Là, ce sont les Modest Dragon. On a un très bon souvenir hein, des Modest Dragon. Oh les gens, vous avez vu tout ce qu'il y a ici? Ah mais, dégage en fait. Voilà. Oh c'est une blague, bah oui c'est vrai qu'il y en a 11. Je suis là les mecs. Allez t'es mort. Voilà. Et maintenant il lâche des épées d'entraînement, j'ai jamais vu ça. Bon attendez, il y avait un butin assez spécial ici, genre... Ouais. C'est là que j'aurais genre besoin de Beidou, vous voyez. La Jade Nautilus, Nautiluc. Donne-moi ça! C'est bon. Alors, pénétrer en profondeur ou l'expérience fait le maître? Où est-ce que ça se passe là-bas? Attends, c'est moi ou. C'est quoi ce monstre? Genre vraiment, c'est quoi ce monstre? 35, ok, bye! On passe sur le pont. Terminer les défis en éliminant tous les monstres dans le temps imparti. Oh non! Mais non! Pourquoi? Je dois vraiment faire ça, genre... Ouah! Ok, des trucs comme ça, Barbara!
C'est bon. Bon. Bah c'était facile, hein. Wouah! Oh, je dois vraiment aller là-bas, là? Oh, bon, on va se taper là. Bon, bah, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais... il y a un tout petit problème de distance, en fait. Du coup, ce qu'on va, c'est... Wesh! Eh, reviens là, toi! Viens. Voilà. Bah ouais, bah dans ce cas je sais pas, bah je vais vous donner une technique. Bon, je pense que tout le monde a déjà eu l'idée de faire ça, mais bon. Allez, on va dans l'équipe. Barbara, je suis désolée mais on est entouré d'eau, donc ton élément va nous servir presque à rien. Non, c'est Kaya qui va nous servir. Ok Kaya, bah tu vas nous ouvrir chemin, c'est parti. Allez. Par contre faut attendre, 3 secondes, c'est un peu chiant. Oh, attendez, en fait, on va plutôt aller là-bas. Genre, attendez, j'ai même pas besoin, genre, de... utiliser mon pouvoir, en fait. Mais genre, je sais pas... J'ai pas vraiment exploré ici, en fait, hein. Juste aller faire téléporteur, puis après, je me suis barré, j'ai rien fait du tout. Ouais, d'accord, ok. Oh! Bah, très bien. J'avais juste à faire ça. Voilà. Bon. Bah, on va aller vers le défi du coup, hein. Par contre, il y a des monstres, alors on va essayer genre de pas attirer leur attention parce que j'ai nullement envie de les combattre. Voilà, ils m'ont pas vu. Oh, après, ils protègent un coffre précieux aussi. Mais bon, c'est pas grave. Ouah ! Je rigolais ! Non, je vais éviter de... Attends, je vais éviter de... Kaya ! Non, pourquoi t'as... Oh non. Ah, sur quelle île je suis atterri? Oh non, en plus j'ai un mage de l'abîme avec moi. Oh mais attends, mais il y a des blobs aussi ici là. Oh mais c'est quoi cette île de l'enfer? Hé les gens, il y a un bateau. Non, non, Kaya. Ok. Help me, je suis sur une île. Oh en fait, attends, j'ai trop envie genre d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Après on ira voir ce qu'il y a dans le bateau les gens. Alors faut faire quoi? Tiens, il y a des filles contre la montre. Bah très bien. Bon, pas le choix, tenir. Faut que je marche dessus, faut que je fasse quoi? Oui. Je triche tellement. Quoi, attends quoi, en 3 secondes? Mais... Pardon? Alors, j'aurais peut-être pas dû tricher. Pardon, je veux dire, comment on est censé faire ça? Ah d'accord, faut que je vainque les monstres, j'avais pas lu, ok. Des niveaux 33, frère. J'ai pas vraiment respecté, mais bon, j'ai réussi à gagner 10 secondes. Bon, bah les défis c'est fini, maintenant on va pouvoir passer à la quête histoire. Il y a plein de gardiens là les gens, genre ils sont actifs ou pas? Attends, non, arrête, ils sont combien? Attends. Ouah, il y a 4 gardiens sur moi. Il y a 4 gardiens sur moi. Il y a vraiment 4 gardiens sur moi là. Hop là. Oh les gens, il y a 4 gardiens sur moi. Enfin, il y en avait. Eh ben, cette île est vraiment dangereuse, hein. Mauvais présage. Ok. Où dois-je aller? Par là. Ah bah tiens, les étoiles. Ouais. Xu. Enfin, Xu, je pense que ça s'appelle ça. Salut Xu. Tu te mets à parler comme Zinkyu. On taquine Payman. Vous êtes au courant de ce qu'il y a d'écrit? Je m'en ai demandé. Oh là là. On aura un traducteur là. Oh, elle est trop mignonne quand elle réfléchit.
Pardon, ou nous ne sommes pas venus pour rester. En vrai, c'est vrai, on n'est pas venus pour rester. D'accord, et tu arrives à parler avec la bouche fermée, je ne sais pas comment tu fais. Oula, révélation. Bah, ils sont gentils, Ali, hein. C'est pas comme à Moonstaff où ils refusent absolument catégoriquement que je rentre dans une taverne. Moi aussi, je pensais ça, Payman. Ouais, mais attends, mais comment ça l'appelait par son prénom, je veux dire, parce que rat bibliothèque, là... Ok, alors... Bon, on doit faire ces trois-là, je crois. Bon, on va aller voir déjà cette boutique-là. On doit faire des négociations, les gens. Je sais pas trop comment ça va se passer. Oui, nous cherchons un cœur de lapis. On aimerait acheter tous vos cœurs de lapis. Oh, bah on s'en fout. Ok, on a acheté pas mal de cœurs de lapis. Maintenant, on va aller au port. Attends, je vais aller là d'abord parce que ça m'évitera de descendre et de remonter. Alors, excuse-moi, ok, t'es en rupture de stock, mais alors pourquoi tu te présentes si t'as plus de stock? Ah merde, je peux pas me les vendre. Et si je vous disais que je voudrais acheter la totalité de votre stock? Ok. Vous ne voulez donc pas faire affaire avec la guide des marchands de filles? Oh, vas-y, allez, on va l'intimider un petit peu là. Ah là, on change, hein? Voilà. Alors comment ça, parler moins fort, wesh, on n'est pas dans une bibliothèque? T'es sûr? Je viens au nom de la guilde. Hein, la guilde marchand Fayum n'accepte pas les marchandises légales. Ah, n'a fait que les marchandises légales. Bah non, je viens au nom. Hein. Voilà. Oh non, on va devoir aller au gouffre. Mais c'est chiant, j'ai pas de téléporteur à côté du gouffre. J'ai vraiment pas envie d'aller au gouffre, hein. Ça veut dire qu'on va devoir affronter tous les monstres que j'ai affrontés dans le dernier épisode. Ou alors si je pourrais le faire, genre en évitant le combat, ça serait bien. D'accord. Et vous payez à bon prix. Quel est votre prix? 7 millions! Mais wesh, 7 millions! Le pire, c'est que les cœurs de la piste, j'en récupère à chaque épisode en plus. Donc j'en ai en plus. Donc je pourrais. Genre, bah ouais, je pourrais en donner. Ok, d'accord. On n'aime pas trop ta manière de négocier, toi. Ok,
Oh, bien joué, Paimon. Bien joué. Vous avez du culot d'essayer de nous arnaquer. Prenez donc cet argent et donnez moi. Non, non, non. Oh, oh, hein. On va continuer la discussion. Là. Ça commence à devenir intéressant. C'est parti, Slafon. Alors, monsieur là a perdu la marchandise. Oh là là, vous êtes pas doué, vous. Je vais vraiment aller chercher la marchandise moi-même, quoi. Voilà. Ah, il le protège là-bas, vas-y, go. Voilà. Arrête, vraiment, est-ce qu'ils vont pas me remarquer si je passe derrière eux? Attendez. Oh, c'est pas vrai! Oh non, cette flèche fatale! Non, pas ici. Où est-ce qu'il... Oh bah il est là. Salut! C'est bon, allez. Et en vrai, bien joué, Paimon. Hein. Oh, mais trop mignonne! Ah, bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à aller chez Chang le 9ème. C'est parti. Oh, il habite trop loin, wesh. Mais mec, t'habites où à la fin hein? Ici. Attends, j'ai pas de téléporteur. Ah oui. Alors, c'est parti, on va chez lui. Les gens, je suis vraiment, 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 vraiment désolée. J'ai totalement oublié de reprendre la vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est allé... Oh, attends, c'est vraiment passé beaucoup trop de choses, les gens. Je suis vraiment... J'ai totalement oublié de filmer. Je suis trop débile. Bon, en fait, on a du coup combattu des fatuis, en fait, qui étaient venus pour se venger de nous. Et en gros, on a appris que Xingqiu, c'était le maître de la ligue, en fait. Donc, en gros, tout l'argent qu'on a dépensé, c'était à lui. Comme ça, au KLM. Et là, du coup, il nous a rendu un livre qu'on doit aller rendre à Chang le 9ème. En gros, c'est vraiment, vraiment ce qui s'est passé. Après, il y a eu tout un tas de dialogues et tout, mais voilà, voilà en gros ce qui s'est passé, vous comprenez? Non, mais vraiment, les gens, je suis vraiment désolée de pas avoir filmé. Genre, en fait, j'avais fait une pause parce que, voilà, genre, j'étais descendue, voilà, de la salle où il y a ma PS4. Et quand je suis remontée, j'avais totalement oublié de relancer le rec. Voili voilou. Mais bon, je vous ai raconté à peu près ce qui s'est passé. En vrai, il n'y a rien eu de très intéressant. Vous avez rien manqué. À part un combat auquel j'ai pu utiliser Xingqiu. Et un dialogue avec beaucoup de punchlines. Bon, je viens de te rendre ton livre. Tant mieux. De rien, content d'avoir pu vous aider. C'était pas vraiment grâce à nous. Bah si, c'est grâce à nous aussi. Ah, so iwazuni. Kono koto wa washi ni totte hontou ni ooki na koto. Jōke wa Liyue de wa ooki ichizoku datta ga asharei mo. Oui, d'ailleurs, en fait, donc du coup, faut aussi qu'on en parle, les gens. C'est, on n'a toujours pas eu notre guide de Li, nous, en fait. On n'a toujours pas eu. Marque-page étrange. Qu'est-ce que quoi? Oula! Il y avait un marque-page dans le livre.
Ouah, attendez les gens. Il y avait un marque-page étrange dans le livre. Bon. Eh ben voilà, voilà comment se termine la quête Mauvais Présage. Eh les gens, j'ai vraiment envie de faire plutôt 10 vœux. Vous voyez, j'en ai 10 là. Vas-y, c'est parti. J'espère avoir un personnage. S'il vous plaît. Ok, ok. Oh oui. J'ai eu un personnage. J'ai eu un personnage, les gens. Une épée, d'accord. Une épée, ok. Ok, ça. Une flûte. Ok. Oh, attendez un peu. Oh, je suis... Oh non, elle est pas ouf. Bah après, c'est un... Ouais, c'est un nouveau personnage. Je veux dire, c'est cool, vraiment. Mais je sais pas, elle est pas ouf. Oh! Ah, je bats avec un arc! Oh! Oh, c'est génial! Oh, elle est géniale, wesh! En fait, elle est trop bien. C'est juste, c'est dommage, le design du personnage, il est pas ouf. Oh, mais attends, mais elle est trop bien, en fait. Bon, bah, de toute façon, c'est pas intéressant de faire ça en vidéo, les gens, mais je vais l'améliorer, je pense, jusqu'au niveau 40, hein, comme tous mes personnages. Bon, bah... Et bah, voilà, les gens!